Aujourd'hui, c'est vendredi 13 pour les superstitieux. C'est un bon, un mauvais jour. Qu'est-ce qu'on pense, Oudouvin ? Bien, moi, je n'y crois pas, ça fait comme ça, moi, Isabelle. Mmh. Ça donne la tête de moule, ça, Isabelle. Quel vendredi 13 ! Il n'est pas pire, il n'est pas mieux qu'un autre jour. La nature au départ, la jamais matin et non, c'est le jour, ni un chiffre. Soleil, il lève, c'est le jour. Soleil, couche, la lune, il sort, c'est la nuit. Quel vendredi 13 ! C'est pitié de moule, ça, donc. Mais enfin, Douvin, le vendredi 13, n'en a un symbolique par rapport, je sais pas comment dire, ou par rapport à la religion catholique, le Christ que les morts un vendredi. Ils ont été 13 à table, au repas. Pas la veille. Ah bon, vous connaissez ça, hein, ouais, d'autre manière là. Vous la finirez de maîtresse catéchiste comme ça. Non, Isabelle, conseiller, là donne des gré la vie, tu vois, là j'ai mis écoute toute bande de monde, n'y croit la chiasse pour le vendredi 13, là. Mm. Bon, regarde comme il dit la vie, tu vois, là, ben, c'est tous les jours vendredi 13. Ah, moi, m'y crois pas une merde, moi. M'y prends ça qui arrive, et j'y arrive, c'est que la mérite à moi. Et d'ailleurs, m'y ça a joué l'auto aujourd'hui. Ah! Ben, c'est que vous croyez un peu quand même à l'influence du vendredi 13. Eh ben non. Ah ben si. Non, Midiaou. Ah, mais si, moi, Midiaou, que oui, moi, oulé à fond. Ah, oulé à fond. Ben oui, moi, oulé à fond, et m'y assume. M'y dit que le vendredi 13, les bénéfiques, contrairement à Dotmoon. Les bénéfiques, elle est où ça, j'ai le tour, là? Ben oui, monsieur. Oui, monsieur, et m'y l'a toujours fait un bulletin le vendredi 13. Et oulé toujours qui? C'est pour ça, oulé croisé. Si vous avez 3h du matin, vous n'y travaillez. Mais continuez de narrer la croyance. Ouh là 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 là, elle a fait mon Joannelli. Il fallait pas l'inviter, vraiment, hein, Claude. Alors ce vendredi 13, il mérite un débat. Oui, d'ailleurs, le vendredi 13 n'a pas qu'une connotation liée au christianisme. On retrouve le vendredi 13 dans d'autres religions, d'autres cultures et civilisations. Lesquels, par exemple, Claude ? Dans la mythologie grecque, le chiffre parfait, c'est le 12. Le 13, c'est le chiffre migraine. Qui casse le cycle parfait. Donc, si vous voulez, par exemple, on parle des 12 signes du zodiaque, l'armée des 12 singes, les 12 salopards, Ocean 12. Oui. Et surtout, les 12 travaux d'Hercule, pas les 13, pas les 13. Non, bah oui, bah vu que Hercule est un super-héros, il aurait pu en accomplir 13, 14, 15, non ? Isabelle, non, là, manque de culture, lire un peu les Saint-Pierre. Moi, on ne connaît pas que ça, Hercule l'a fait, entre tuer le lion de Débé, capturer le sanglier d'Érimante, capturer le taureau de Crète, ramener des enfers Cerbère, le chien à trois têtes, le bouc d'Iso, il travaille dans un parc animalier, quoi. Ce n'est pas un ferme la foire, bah, non, quoi. À un moment donné, il veut pas comprendre, allez, son qui est plein, quoi. Bah oui, mais tu en sais des choses, du coup. Comment appelle-t-on la peur du vendredi 13 ? Ouais, ça m'y connaît, c'est la... Parce qui va, non, c'est la parce que Dravi. Bon, m'y entraîne à moi, m'y donne à notre rendez-vous, on s'explique. Oui, oui. On en parle et on prononce. J'imagine que Claude voulait parler de la paraskevidacatriaphobie. Voilà, grosso modo, la peur du vendredi 13. Voilà qui est dit. Madame Otoa au téléphone avec nous. Bonjour Isabelle, ma cocotte. Vous connaissez le soleil de ce studio. Là, 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 là. Comment on fait, ma fille, pour être pimpante comme ça? Et les vrais ou lèvres 3h du matin? Nous va dire que m'y lève bonheur, oui, bon. Et puis arrête un peu avec ma vie privée, là. Sinon, ça, le vendredi 13. Ben, moi, les communs, m'y pense que c'est un jour la chance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, m'y ça fait un petit bulletin loto. Ah. Regarde à moi, moi, l'est née un vendredi 13. Et moi, elle a eu une vie heureuse jusqu'à présent. Et si on gagne le gros lot, la première affaire, ou fait, c'est quoi? Vous connaissez quoi, Isabelle va surprendre à où? Mon premier acte, c'est de m'y faire venir un cargo plein rabord, rien que conteneur de l'huile. Et m'y mettre les moyens pour protéger la cargaison. Là sera plus mon pays, bateau fou, ça bon aïra la nous. Ce sera mon bateau, pays fou, tachion bon aïra la nous. Aïe, 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 aïe. Joël Beck, bonjour. Alors, ou bonne Gramoun, les superstitieuses autres? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Là, ce matin, nous devait faire une sortie et n'a beaucoup la désisté comme par rapport au vendredi 13. Il devait aller la foire bras. Non, mais désolé pour vous, monsieur.
Mais après, de certains, la mettre des conditions, la disent il vient à condition, il gagne, allume un bougie dans le bus. Mais dans autres, non, ça n'est pas possible. Et puis, il veut profiter de l'antenne, Isabelle, pour une dédicace à Gramoun qui écoute à tous les matins. Hein? C'est pour monsieur, c'est son prénom, hein, ouais. Jean Flascule. Jean Flascule et Godias, Dizangui. Tout, c'est son prénom. Hein. Qui fête ses 80 ans et qui rêve coup de bien sur l'infirmière, Isabelle. Il parle plus de ça, à retrouver en podcast sur notre site internet lapremière.re.